Good morning, Ali Iden, les Tzuzroi, les Lunishmat, Morgan Rabbi Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Shlomo Ben Esther, Sarah Bat Hana Rachel, Shlomo Nissim Ben Sarah, ainsi que leur Fouat, Sarah Bat Betir Rivka Batoar, Shachar l'Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider nos prochaines études de Misha, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions un Sechat Menachot, par écoute Bet Mishna Alef. Aminachot van Esachim, Jenit Meou, Ad Shalo, Kadeshou, Bikli, Yeshlen Pidion, Meshe Kadeshou, Bakli, En Lahem Pidion, Haofot, Vaitim, ולבונה אוכל לשרת, אין להם פדיון, שלא נאמר, אלא בהמה. ופרלנו נביא משנה, de la possibilité de racheter la sainteté des choses. C'est-à-dire, lorsque je fais don au Bet Amigdash de mon stylo, eh bien, ce stylo, il va devenir kadosh. Il va avoir maintenant une sainteté. Ça implique tout d'abord une maserhet entière qui traite de tous ces sujets-là, une maserhet meïla, interdiction de l'utiliser. Autant que si c'est à moi, vous n'avez pas le droit d'utiliser, sinon vous le volez, et bien si ça appartient au Hekdesh et que vous l'utilisez, vous faites un sacrilège. Faire une meïla, un sacrilège, ça veut dire voler du Hekdesh. Parce qu'il a une sainteté. Maintenant, ce qu'on va prendre dans notre méchant, c'est qu'il y a plusieurs types de sainteté. En réalité, il y a deux extrêmes et des niveaux de sainteté un petit peu au milieu. Je m'explique un petit peu mieux. Il y a ce qu'on appelle la Kdushat Damim, et il y a ce qu'on appelle la Kdushat Hagouf. C'est-à-dire, lorsque je fais don au Bet Amigdash de ce stylo, le stylo, il est devenu Kadosh parce qu'il est devenu la propriété du Hekdesh, c'est vrai, mais c'est une propriété qui peut encore être changée. Si le Hekdesh décide que ça n'intéresse plus d'obtenir ce Hekdesh, de garder ce stylo, ils vont le revendre. Ils vont le vendre à quelqu'un d'autre qui va le racheter. L'argent, il va devenir kadosh et on va pouvoir racheter la sainteté. Pourquoi ? Parce que le stylo n'est pas intrinsèquement kadosh. À la différence de ce qu'on appelle une gdushat hagouf. Donc, excusez-moi, je conclue. Ce qu'on appelle pour le moment, c'est que le stylo, il a une gdushat damim. La valeur, elle est sanctifiée. Le stylo lui-même, il n'est pas devenu quelque chose de saint. Il est devenu la propriété du Hekdesh. Donc, par là, il obtient sa sainteté. Donc, c'est une gdushat damim. Une sainteté est due à sa valeur. Sa valeur, elle est sanctifiée. Donc, ça peut être acheté, et l'argent, il va devenir kadosh, et le stylo, il va redevenir profane. Il y a l'autre extrême qu'on appelle la gdushat hagouf. Des choses qui sont intrinsèquement devenues kadosh, qui ne peuvent plus être modifiées. À savoir, par exemple, le katip, un animal que l'on a sanctifié, qu'on va en faire un korban. Eh bien, ce n'est pas une sainteté passagère liée à sa valeur, mais c'est une sainteté qui est intrinsèque à l'animal. Maintenant, il est devenu entièrement kadosh, il ne peut plus être acheté. Ça s'appelle Gdushat Hagouf, la sainteté du corps. Il est devenu intrinsèquement kadosh, c'est plus sa valeur. Ce qui se passe maintenant dans notre Mishnah, c'est qu'on va découvrir des choses un petit peu intermédiaires. Des choses qui ont une sainteté due à la valeur, mais qui sont quand même devenues Gdushat Hagouf. On ne va pas parler en l'air, on va directement commencer à attaquer le premier cas. Aminachot, ce qui va se passer en fait, tout de suite. Aminachot va nesachim shenitmeu ad shelo kadeshu bikli, yesh lahem pidyon. Les menachot, les oblations de farine, va nesachim, les oblations de vin, ou d'huile même, shenitmeu, qui ont été impurifiées, ad shelo kadeshu bikli, tant qu'ils n'ont pas encore été sanctifiés en les faisant pénétrer dans le kli charet, dans l'ustensile par lequel on fait le service au Bet Amigdash, alors yesh lahen pidyon. Ils ont la possibilité d'être achetés. Tandis que mishe kadeshu bikli, depuis le moment où ils ont été sanctifiés à l'intérieur de l'ustensile, par l'ustensile, en lahen pidyon, ils n'auront plus de rachat. Je répète la Mishnah. Je veux faire une nedava, un don au Bet Amigdash de farine pour en faire une mincha. Donc, j'amène ma solette. Pour le moment, j'ai sanctifié ma solette. La gdusha qu'il y a pour le moment dans cette solette, dans cette semoule, c'est une gdushat damim. La valeur, elle est sanctifiée. Pour le moment, elle appartient à la propriété du ménage, mais c'est pas encore intrinsèque. Ça implique quoi? Ça implique que si un quelconque problème, c'est devenu impur, par exemple, eh bien, on va pouvoir racheter cette farine. On va apporter une farine intermédiaire, on va faire passer la gdusha sur de l'argent, on va acheter une autre farine à la place. Parce que pour le moment, la farine, elle est préposée à devenir Hekdesh, mais elle est pour le moment, elle a juste sa valeur qui a été sanctifiée. Par contre, c'est ce que la Mishnah m'enseigne.
Depuis le moment où maintenant je vais en faire un corban, je vais la prendre cette farine. Vous vous rappelez qu'on avait appris que les ustensiles du Beth Amikdash, ils ont été sanctifiés, ils ont été oints par l'huile d'onction. De ce fait, lorsque je vais prendre maintenant cette farine pour en faire un corban, je la mets dans l'ustensile, la farine elle va évoluer, elle va devenir maintenant une douchette à gouf. Elle va devenir une doucha très forte, que maintenant c'est devenu le cadeau d'Hachem, qu'on doit connaître cette fermentation au misbar. Si un problème, c'est devenu, ça a été impurifié, on ne pourra plus racheter cette doucha. Parce qu'on peut racheter la doucha tant qu'on en a au niveau de la valeur, mais pas quand c'est devenu intrinsèque. D'accord ? C'est le principe exprimé dans la Mishnah, pour le moment. Il y a maintenant une petite remarque importante à soulever, c'est que, malgré tout, si on fait attention dans la Mishnah, il y a marqué que la farine, tant qu'elle était, tant qu'elle n'est pas encore pénétrée dans l'ustensile, le clicharet, dans l'ustensile du service du Beth Amikdash, alors elle a une douchat d'amim que l'on peut racheter. Et la Mishnah insiste en me disant shenit me'u, uniquement lorsque ça a été impurifié. C'est-à-dire, si j'ai ma farine, que je veux l'amener au Beth Amikdash, et puis après, ma femme me demande finalement un kilo de farine très urgemment, elle me dit bah, tu sais quoi, rachète la farine. Et tu apporteras une autre farine. C'est vrai, finalement, je comptais partir au Beth Amikdash que la semaine prochaine, dans 7 jours, c'est pas grave. Je vais prendre cette farine. Je vais la racheter, faire passer sa doucha sur de l'argent. Et puis avec l'argent, j'achèterai une autre farine. Ça devrait être permis en théorie. Et malgré tout, c'est interdit. On ne peut pas acheter, on n'a pas le droit de racheter dans. Parce que tout ce qui est, c'est la règle qui est rapportée cette fois-ci dans le Tosot Yom Tov, Kol ha'ra'u ila misbeach, eno yose mide misbeach le'olam. Tout ce qui est hâte à être offert au Beth Amikdash, à monter sur le Mizbeach, alors, quelque part, on ne peut pas le rebuter, lui dire, non, tu sais quoi, tu ne monteras pas sur le Mizbeach, on te substituera avec quelque chose d'autre. C'est-à-dire, mon stylo, si finalement je l'ai sanctifié pour le Beth Amikdash, et mon ami a besoin d'un stylo, je peux lui dire, bon, aucun problème, je vais racheter la valeur du stylo sur de l'argent, et tiens, bon, tu peux utiliser le stylo à la place. Il n'y a aucun problème à faire ça. Mais par contre, quelque chose qui est apte à devenir une offrande à Hachem, alors, même si pour le moment le niveau de Gdusha qu'il a, c'est qu'une Gdusha d'Amim, ce n'est que sa valeur qui est sanctifiée, malgré tout, a priori, il devra lui être offert. On n'a pas le droit de le descendre de niveau s'il est préposé à être lui-même, à devenir lui-même le Corban. D'accord ? Donc on a, pour le moment, donc on a découvert trois niveaux de Gdusha en fait. Il y a la Gdusha d'Amim simple du stylo qu'on peut racheter. Il y a à l'autre extrême la Gdushat Hagouf, que maintenant, lorsque ça a été une offrande qui est devenue intrinsèquement kadosh, parce qu'on a commencé à faire l'offrande, on ne peut plus du tout la racheter. Et il y a un niveau un petit peu intermédiaire, c'est ce qui a une valeur de Gdushat Damim, que la valeur elle était sanctifiée, mais que malgré tout, il est préposé à devenir lui-même l'offrande, alors on n'a pas le droit de le racheter, si ce n'est qu'il y a eu un problème technique avec lui, que par exemple il a été impurifié, comme c'est écrit dans le Mishnah, ou encore s'il est devenu un Baal Moum, il a eu un défaut. Et on continue justement, par rapport à ça, on continue sur la suite de la Mishnah. Ha'ofot va'etzim va'levona uchlei sharet. Enlem pidion, sholo ne'emar ela behema. Les volailles, vous savez bien qu'au Beth Amikdash, on apporte aussi des volailles en offrande, vola ta'of, torim ou bneyona, il y avait des tourelles ou des bneyona, des pigeons, que l'on a sanctifié pour en faire une ola, par exemple. Vea etzim, ou encore des bois, on pouvait faire un korban à etzim. On avait appris que tous les jours, on faisait monter deux bûches. Shnexer etzim, on le faisait monter sur le misbeach. À part ça, n'importe qui pouvait décider d'apporter une bûche au misbeach, et d'en faire une offrande avec elle. Vea levona, c'est aussi une encense qu'on va faire monter en cadeau. Ou chlecharet, ce sont les ustensiles qu'on utilise au Beth Amikdash. J'avais par exemple un beau verre en argent que j'ai désigné, que maintenant ça va devenir un clicharet du Beth Amikdash. Et bien toutes ces choses-là, ils ont une gdusha ta'gouf. Ils sont devenus complètement kadosh. Et là, avec quelque chose de particulier, enlem pidyon. Ils ne pourront plus être achetés, même s'ils ont un défaut. Shelo ne'emar ela behema. Car la Torah nous donnait la possibilité de racheter qu'une behema. Et j'explique un petit peu mieux. C'est quoi l'histoire avec la behema, l'animal? Je vous ai dit tout à l'heure que tant que la sainteté, elle est sur la valeur elle-même, la gdusha d'amim, on peut racheter. Mais dès que c'est venu Gdusha Tagouf, on ne peut plus racheter. C'est faux. C'est pas exact. Il y a quand même un cas particulier que la Torah a évoqué, mais qui est très restreint ce que la Torah a évoqué, qui est donc l'animal que l'on a sanctifié pour en faire un korban. Lorsque je sanctifie un animal, un korban khatat, un korban hola, ce que vous voulez, l'animal que j'ai désigné pour en faire un korban,
Lui, il a eu une Kdushat Haguf, même s'il n'a pas encore été offert au Beit HaMikdash, on n'a plus la possibilité de le racheter. Il y a malgré tout quelque chose de très particulier qui se passe. C'est que s'il va avoir un moum, il va avoir un défaut, que maintenant on ne pourra plus l'offrir au Beit HaMikdash, parce qu'on ne peut pas, la Torah, on a déjà évoqué la notion des défauts, des différents défauts, qu'on verra surtout dans Prorot, une masechet qu'on verra bientôt. Il y a des, donc l'animal a eu un défaut, il a eu une patte cassée, il a eu tsaram ozno, il a eu une fissure dans l'oreille, toutes sortes de défauts pour lesquels on ne peut plus apporter le korban. Alors même s'il avait une gdushat haguf, et bien malgré tout, sa gdusha va être maintenant métamorphosée en gdushat d'amim, on va pouvoir le racheter. C'est particulier, c'est explicite dans la Torah, c'est ce que le Barthénois rallonge pour nous le rapporter. Pour nous prouver, Vimba Behemat Mea, c'est marqué ici, Vimkol Behemat Mea, Asherlo Yekrivu Mimena Korban Hashem, Vericha Kohen Ota. On est dans la paracha de fin du livre de Vaïkra. D'accord ? Là-bas, il y a donc, on a la Torah, là, elle explicitait, c'est déduit que. Le Bartendor explique pourquoi on parle forcément d'un animal qui a eu un défaut. La Torah nous a laissé la possibilité de le racheter, bien qu'il avait une gdushat haguf. Cependant, le Barthénois ajoute, nous rapporte en Gemara, que ça n'a été dit que pour les animaux, les bovins, ovins, les vaches, les moutons, mais pas pour les volailles, ni même pour les étimes. Et de ce fait, même s'il va y avoir un défaut, un poulet qui va se faire couper une patte entièrement, donc on ne va plus pouvoir en faire un corban, n'aura pas la possibilité de le racheter sur de l'argent. Idem encore avec les étimes, les bois. Toute chose qui est censée être devenue un korban, qui a eu maintenant la gdushat haguf, il a été sanctifié avec la gdushat haguf, eh bien on ne pourra plus le racheter même s'il a eu un défaut. Qu'est-ce qu'on fera? Eh bien on l'enterrera, on le laissera mourir, on le tuera. Mais en tout cas, on ne pourra plus le racheter, on ne pourra plus racheter sa gdusha. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la slacha kol tovou.